Mon nom est Fontigny, André. Il y a bien longtemps que j'ai repris ce rucher et l'école d'apiculture. Quand je travaille au rucher, c'est comme si le temps s'arrêtait de tourner. Mon esprit s'évade et je ne pense plus à rien. Aurais-je cru un jour que je deviendrais apiculteur? Ce fut une véritable aventure qui m'a fait peu à peu découvrir un monde merveilleux dont je ne soupçonnais pas l'existence. Ainsi, depuis bientôt 20 années, je suis leur élève. Et elles ne m'ont pas encore livré tous leurs secrets. Si j'arrête, il n'y a personne pour reprendre le rucher. L'entraide chez les apiculteurs est chose rare. Les anciens partent, les jeunes vont et viennent, et il est bien difficile parfois de trouver l'aide dont on a besoin. Mes abeilles, elles s'entraident. Elles sont solidaires. Mais moi, leur berger, je me sens si seul. Ici, au rucher, j'en ai formé des élèves, des centaines. Et année après année, je leur ai transmis ma passion. Aujourd'hui, j'en forme encore quelques-uns. À l'heure de mon départ, personne ne veut reprendre mon rucher. Et les politiques nous abandonnent. L'abeille a tellement besoin de nous aujourd'hui. Je ne comprends pas. Les hommes sont-ils devenus lâches au point de refuser de porter secours à tous ces êtres si précieux et tellement menacés? Mais qu'ai-je fait pour être si peu entendu? Sombres sont à venir. Mais je ne perds pas espoir en un avenir meilleur pour mes abeilles et pour le rucher. Les défis sont là. Il ne reste qu'à les relever. Mon nom est Fontigny, André, et je suis passionné.